Bon, et eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ce nouveau let's play, ce nouveau jeu pour commencer un nouveau let's play tout simplement. On se retrouve sur BioShock Infinite. Pourquoi j'ai décidé de faire ce BioShock Infinite et de commencer par celui-ci? Parce que je vais vous expliquer, les BioShock 1 et 2 me plaisent, mais me plaisent beaucoup moins que celui-ci. Et surtout, en fait, je me dis que si je dois... Enfin, si je faisais BioShock 1, il allait falloir que je vous fasse le 2. Enfin, pour moi, il fallait que je vous fasse le 2 après. Et le 2 m'a un peu déçu, donc pour l'instant, c'est pas prévu. Ce BioShock Infinite, en fait, je peux le faire sans avoir fait les autres BioShock, donc c'est plutôt cool. En plus, c'est celui que je préfère. C'est l'un de mes jeux préférés depuis toujours, donc voilà. On va regarder vite fait les options, juste pour mettre l'audio un peu plus fort au cas où. Voilà. On va mettre les dialogues à fond. Voilà. Et on va pouvoir se lancer tout de suite. Du coup, épisode comme d'habitude d'une trentaine de minutes maximum. Et puis, c'est parti. Je vais tourner les trois premiers épisodes en avance, sachez-le. Parce que je suis absent la semaine... je sais plus trop de quand, mais aujourd'hui on est mercredi, donc je tourne en avance, hein. Je tourne en avance, on est mercredi 13, donc la semaine d'après je suis absent en fait, voilà, que vous sachiez, que vous, pour que vous soyez au courant. Bon, on va faire une nouvelle partie, et puis se lancer dans ce jeu. On va se mettre en moyen, parce que c'est un let's play, et on va se mettre en let's play plutôt cool, plutôt qu'un let's play complexe. On va se mettre en let's play plutôt cool, donc je l'ai déjà fait plein de fois ce jeu, je le connais pas par cœur, mais je le connais plutôt bien. Mais j'adore ce jeu, donc je peux le refaire un nombre de fois, y a pas de problème pour moi en fait. J'adore ce jeu, j'adore. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non, mais je te crains toi. L'esprit du cobaye tentera désespérément de créer des souvenirs lorsqu'il n'y en a pas. Barrière au voyage transdimensionnel. Lutès, 1889. 1912, côte du Maine. Dis-moi, tu vas rester planté là? Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Danser? Non, que tu rames. Ramer? Mais j'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout? Non, je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur? C'était ton idée de venir ici. Mon idée? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi, ramer? Non, ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas? Non, il ne rame pas. Hein? Le jeu est super beau déjà. Ça tourne sous du Unreal Engine, ça, et c'est super joli. Nous y sommes. Ok, grimper à l'échelle. Donc on se retrouve déjà un petit peu... on comprend pas trop la situation. Hein. D'après toi, on doit lui dire quand on reviendra. Quelle différence ça ferait? Ça le rassurerait peut-être. Donc, dans ce jeu, on peut fouiller un peu partout. Hé, hey, y'a quelqu'un qui m'attend ici? Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Donc comme je disais, on peut fouiller et trouver donc de l'argent. Voilà, on trouve un petit peu d'argent. Voilà, le jeu est très très beau, hein, c'est dingue. Hein. J'avais déjà un petit peu... sur mon ancienne chaîne, j'avais fait le let's play et c'est vrai qu'il était déjà hyper propre. Et c'est vrai qu'en 2560 par 1440, c'est encore mieux, quoi. Bref. D8, donc... Ah, mince. Il y a les petites traductions en haut à gauche, mais il y a la cam juste devant, en fait. Je vais voir si je peux la changer de place. Bougez pas, je vous fais une ellipse, voir si je peux la changer de place. Ok, bon, bah c'est bon, j'ai pu vous la changer de place, mais du coup j'ai dû
faire un miroir pour parce que j'ai mes réglages et du coup j'ai dû faire un miroir, donc je suis un peu inversé par rapport à d'habitude, mais c'est pas grave, à la limite pour ce let's play on sera inversé, tant pis. Bon, du coup voilà, vous avez les petits sous-titres en haut à gauche. Dès oui, ramenez la fille et nous effacerons la dette, c'est votre dernière chance. Excusez-moi, je suis Booker DeWitt. Je suppose que vous m'attendez. De tes péchés, laisse-moi te purifier. C'est vrai que c'est écrit en tout petit, du coup. Utilisez la bassine. Donc on se voit vite fait, mais pas tellement. On se voit un petit peu. Eh ben, ça a l'air sympa. Je vais rapprocher le micro. Alors, est-ce que tout est traduit? Tout n'est pas... Tout n'est pas forcément traduit. Donc on peut fouiller un petit peu, mais après c'est surtout pour trouver de l'argent. Vous voyez, hop, on peut fouiller le tonneau. Bon, on peut trouver de quoi manger pour se restaurer la vie et tout ça et tout ça. On verra ça plus en détail plus tard, là pour l'instant. Alors c'est en français, donc il n'y a pas de sous-titres non plus. Si vous voulez que je mette les sous-titres, dites-le dans les commentaires des prochains... Je sais que cette musique est copyrightée, donc cet épisode ne sera pas... voilà, aura des droits d'auteur, mais c'est pas grave. Tant que je réclame rien. Ouais, ça sonne, mais il n'y a rien au bout du fil, hein. C'est le bordel chez vous, mais... Ouais, enfin, peut-être pas autant, quoi. Je viens de dire que c'était pas propre. De là à te... Merde. Ne nous décevez pas, ouais. Bon, on va faire ce qu'on peut, hein, mon ami. Ça a pas l'air bien... Ça a l'air plutôt sympa chez vous. Écoutez, de façon... une poire, bon. Alors, vous voyez, là, on peut utiliser les cloches ou aller tout autour pour... prendre un petit peu d'argent. On va en avoir besoin de l'argent, donc autant... Alors, utilisez les cloches. Cette carte. Alors, une fois... J'ai raté. Mais qu'est-ce que voilà. C'est... À partir de là, ça part... Surtout qu'on voit la ville là-bas. Et personne se dit, tiens, ça fait du bruit. Non, bah non. Je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. T'as vraiment confiance dans ce fauteuil? Moi, je vous le dis, j'ai pas confiance, hein. Ah, ça me dérange d'avoir la facecam en haut à droite. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'aime pas ça. Non, 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 bordel de merde! Attention. Début de l'ascension dans 5. Non, dans non, 4, non, non, non. 3, 2, 1. Non. Attention. Attention. Allez, Booker. Allez, on reste nous sommes calme. À 5000 pieds. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Et voilà.
Et voilà, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Dans l'une des plus belles villes qu'on n'a jamais vues dans les jeux vidéo. Enfin, à mon goût, bien sûr. C'est assez violent quand même, hein. Un peu violent, mais ça va. Oh, les effets de lumière, ils sont tellement beaux aussi. Non, ce jeu est juste magnifique, hein, c'est tout, point. Y a pas à dire. Avec la musique en fond là, c'est tellement apaisant. Ouais, bon, d'accord. Ce jeu met une claque niveau graphisme en moins de 10 minutes, quoi. Parce que bon, on aura une petite ellipse, mais en moins de 10 minutes, il nous aura mis une claque graphiquement. C'est dingue. J'adore ce jeu. Bref. Et le prophète mènera notre peuple vers le nouvel Éden. Alors oui, il y a ça. De façon à rejoindre notre objectif rapidement, on essaiera de pas l'utiliser quand même. C'est très très beau, hein. Bon. Du coup, on a vu que c'était par là qu'il fallait aller. L'eau et tout ça, tout est très très beau. L'agneau, l'avenir de notre ville. Ouais. Excusez-moi, je suis où? Au paradis. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions. Je veux pas me faire remarquer. Ouais. Et dans mes entrailles grandira la progéniture du prophète. Très bien. Je crois qu'on peut. Non, c'est peut-être pas ici alors. Très bien, bon, on va descendre là. Non, regardez, c'est super joli. Ces effets de l'eau là. Non, c'est super beau, super beau. Allez, on va arrêter de s'extasier sur les graphismes. Et on va descendre. Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration. Nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous rengageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Wounded Knee plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace... C'est à nouveau! Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville? Ouais, s'il te plaît, quoi. Frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Ouais. Acceptes-tu d'être purifié? Sinon, je peux te péter la gueule et tu me laisses passer. Soit j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Bah, on va accepter alors, hein. Hey. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de au sein de Columbia. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Bah si, quand même, ça va, on est... Ça toque à la porte. Ça toque à Qui la est là? porte. Qui est là? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Pardon. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte tout de suite. D'accord, c'est bon, j'ouvre. Waouh. C'était peut-être pas la peine de vous énerver comme ça, les gars.
Les statues sont pas flippantes, genre. Ah, c'est des clés. C'est tellement beau. Le pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Notre prophète remplit nos poumons d'eau pour leur... Voilà, donc là on a notre barre de santé en haut à gauche. Vous voyez qu'il nous manque un petit peu de santé. Au nom de l'épée, chance n'existe pas. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Et en fait, si on cherche un petit peu, voilà, on a une banane et ça peut nous augmenter. Ça peut nous augmenter la santé, voilà. Ok, on va ouvrir la porte ici. C'est quand même... L'ambiance est quand même dingue, je trouve. C'est dingue. Voilà, et là je peux passer. C'est entre 9h et 11h. Il y a une cascade et plein d'autres choses. Ah, il vient juste de repartir. Et je pense qu'on doit pouvoir. Donc là, il y avait écrit soda des cristaux. Bonjour. Voilà, on a presque notre santé à fond. Oh, faut que je baisse dans mon casque, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Ok, alors. Pour les festivités. Le père Comstock. A dû le prédire et tout organiser. Du coup, voilà, je suis désolé, j'ai fait 2-3 petits réglages. Du coup, on va avancer un petit peu. Les textures sont très belles. Hein. Bonjour. On va essayer de remplir notre vie. On va se balader un petit peu dans Columbia. Voyons, on peut se balader partout, on peut trouver de tout. Bon, on peut pas tout prendre non plus, mais voilà, il y a certains trucs qu'on peut prendre. N'embauchez jamais d'artiste, mon bon ami. C'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter. Je lui ai dit, le parc est incroyable. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a les voxophones. En fait, les voxophones, c'est une sorte de magnétophone de là-bas, où les gens enregistrent un petit peu ce qu'ils pensent. Un homme fort, je ne suis pas un homme vertueux, je ne suis pas un homme saint. Alors elle m'a répondu une chose remarquable. Tu as raison, prophète, mais si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi, comment les autres pourraient-ils ne pas la voir en eux? Voilà, donc c'est des petites pensées comme ça qui pourraient nous aider dans l'histoire. Si on en trouve, on les lira, et sinon, bah, c'est tant pis. Non, et puis ça veut dire quoi, au juste, la vox populi? C'est du latin, c'est... Du latin. Voilà, on a notre santé à fond. Bonjour, citoyen. Vous êtes en forme? Merci. Voilà, on peut parler un petit peu à tout le monde. Enfin, ils nous parlent un peu automatiquement s'ils ont des choses à dire. Sinon, bah, voilà. Un cheval mécanique. Oui. Ah. Désolé, va falloir attendre, comme tout le monde. Voilà. Voilà, c'est bon.
Bonne chance pour la tombola. Une tombola ? Moi je veux aller à la tombola. Donc voilà, vous aurez à peu près grande tout compris. Fête, tombola de Columbia. Vous aurez compris un petit peu, on est dans une ville où les choses peuvent passer dans les airs, où ça vole et tout. Il y a une pomme là, il y a deux pommes. Mais on est à fond. Sans nuages, tout à l'honneur, hein. Avec un petit vent variable dans l'après-midi. En résumé, une journée magnifique pour la fête. Et maintenant, revenons à la musique. Voilà. Donc en fait, ça c'est une boutique où on peut prendre les choses et payer comme on veut, voilà. Mais nous, on n'est pas très très honnête, hein. On n'est pas d'ici, donc on se permet de voler les choses. Voilà, on peut se balader un peu partout. Après, voilà, c'est beau, c'est... Oui, c'est bon, on a compris. Tu risques d'attirer l'attention. Donc là, il y a des pommes. Je ne suis pas un extrémiste de Finton. Je refuse de finir dans ces reportages sur les femmes d'agents de la Vox Populi. Ah, on a entendu un nom là, assez important, mais on verra ça plus tard, pour l'instant. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Monument Silent. Un télégramme pour vous. Donc on vient pas d'ici, mais on a des télégrammes, très bien. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Donc Lutèce, qui est cette Lutèce? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Nous allons découvrir tout ça dans ce let's play. Ok. Monument Island est là-bas, du coup. Il y a des chips, du soda. On va aller à la tombola, du coup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Merci. Lancer des éclairs du bout des doigts. Me croiriez-vous? Si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans les airs, me croiriez-vous? Oh, eh bien mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des billevesées. Ce ne sont pas de ces histoires qu'on raconte au bar. Non, messieurs. Non, mesdames. Je vous parle là des toniques proposés en exclusivité par monsieur... Approchez, messieurs, dames. Venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlante. Ça a l'air bien par ici. Projetez les obstacles, voilà. N'attendez plus. La déferlante est là. Trouvez le démon, monsieur, et chassez-le. Ok. Et en avez-vous la trempe? On essaye, on essaye. Là-bas. Et voilà le premier démon. Ok, faut qu'on l'ait... Les trois fois, c'est ça? Il est là-bas. Sans toucher la femme et son bébé. Au milieu. Merci. Et voilà l'ami. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de lever, retournez ou projetez les obstacles. Bon, tu m'as pas donné beaucoup. Vous voyez ces sauvages dans les airs? Ils sèment le chaos. Allez. Maintenant, visez ces traîtres et tuez. Ouh, moi je veux 20 points. 20 points pour la grosse bourse d'argent. Alors, c'est parti. Bon, ça va. On va faire une doublée. Ah mince! Ah, je pensais que fallait recharger, donc du coup j'ai eu le réflexe, mais il n'y a pas eu besoin de recharger. D'accord, on recommence, c'est pas ma faute, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on fait des doubles, hein. Oh, écoute. Quatorze sur 20. Allez, allez, allez. 18. Et encore deux, ils sont là.
On en a 20. J'avais jamais vu ça. C'est bien mérité. On a gagné un petit peu d'argent, ça fait toujours plaisir. Ok. Bon, y'a pas grand. Hot dog! Les hot dogs d'Alexandre! Les voxophone! Écoutez votre voix du passé dans le Valaisie, dites quelque chose! C'est quoi un voxophone? Voilà. C'est quoi un voxophone? C'est ça! Un enregistrement personnel de votre voix! Eh, qu'on soit bien clair, moi je paie pas pour ça. C'est juste une démonstration. Voilà, on a compris ce que c'était. Un voxophone du coup. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ça, le distributeur aussi, mais on verra. Vous voulez aider notre belle Columbia ? Pareil, on va essayer. 20 points encore. Et puis on va s'arrêter après. Ah, voici un courageux. Tirez sur la Vox Populi quand elle apparaît. Marquez assez de points pour gagner un lot. Je rajoute un bonus si vous touchez cet anarchiste de Daisy Vitroy. Ok, c'est parti. Ah, j'ai raté, ok, ok, attendez, attendez. Hey, vous y êtes presque. Jouez, monsieur. Vous avez un don, vraiment. La voilà, Daisy Fitzroy. Ah, à lui le bonus. 14. Allez, il nous en manque 6. Oh, la box n'a qu'à bien se tenir. Vous avez un don, vraiment. Voilà, c'est bon, on a les 20 points. On se calme. Donc on se fait un peu d'argent. Hein. Il est grand, il est fort, c'est l'incroyable Andy Mann. Seule notre ville est capable de proposer de tels exploits technologiques. Ok. Tu as déjà vu un spectacle pareil ? Avez-vous déjà perdu de l'argent dans un distributeur ? Un téléphone a-t-il déjà refusé de vous connecter à votre moitié ? Alors, il est temps de prendre le contrôle aux machines. Un simple murmure, ils sont à vous. Donc, explication de ce qu'on vient de prendre, et on s'arrête juste là, pour ce premier épisode. Quoique, ça fait que 30 minutes, en comptant les ellipses. On a encore un petit peu de temps, si vous voulez. Non, bon... On va passer ça, je vais vous l'expliquer moi-même. On vient d'avoir notre premier tonique, en fait, qui va nous permettre, donc... Regardez. Désolé, l'ami, ce n'est pas possible. Tous les billets sont vendus. L'entrée est réservée aux dignitaires et aux personnes d'importance. Pas moi, donc, j'imagine. Voilà. Donc, la machine, elle nous dit, non, t'as pas le droit d'entrer. Nous, on vient d'acheter ça. Enfin, d'acheter... On nous l'a offert, ce qui va nous permettre ceci. Bien, mais voilà notre bon député Buford. On vous attend à la tombola. Je ne sais pas pourquoi vous ne nous êtes pas reconnus. Étrange. C'est toujours un plaisir d'accueillir des personnalités de votre calibre. Voilà. En fait, notre tonique, celui-ci, c'est un pouvoir donc qui va nous... Qui va nous permettre en fait de... contrôler un peu les machines, qu'elles soient de notre côté, tout simplement. Pile ou face ? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face ? Face. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Bon. Donc voilà, sur... Voilà, on peut avoir des soins, des cristaux, tout ce genre de choses dans les distributeurs. D'où tu sors ce truc ? Ce petit bijou ? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotrame de la Vox Populi, on doit être équipé. Ils recrutent pas dans le groupe ? Voilà, donc Lutèce,
Les lutèces, vous allez voir, ils sont assez importants dans l'histoire, mais pour l'instant, je vais pas trop vous en parler. Qu'est-ce que... Oui, on a la même marque sur notre main aussi, on comprendra tout très bientôt, vous en faites pas, c'est peut-être un petit peu flou au début. Donc on va aller à la tombola et on s'arrêtera à la tombola. Donc la tombola est là. Nigo, vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol! N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia? Bon, et maintenant, le vainqueur est... le numéro 77! Eh ben, quelle surprise! Vous attend la première balle. Pitié. Pitié, de faire ce que c'est ça. Mon idée, pitié. Non. Voilà. Pitié, qu'est-ce que vous faites? Donc on est dans une sorte de... Ou vous aussi, vous buvez votre café bien noir. C'est là, pitié. C'est moi que vous voulez. Donc je peux choisir, ça change pas grand chose à l'histoire. Mais moi je préfère le lancer sur le présentateur, j'ai toujours fait comme ça. Alors c'est quoi cette marque de riz? Vous ne savez pas que ça vous désigne comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas avoir de faux berger dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu, allez. Ok, très bien. Donc, je peux attaquer au corps à corps. Voilà. Oui, oui, je suis en état d'arrestation, bien sûr. Donc voilà, pour ce premier épisode. Donc en fait, on a voulu tirer sur le présentateur. Dans les deux cas, on aurait eu des problèmes. Bon, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On s'arrête juste avant l'action. Donc là, on va devoir un petit peu se battre. On va attendre le prochain épisode pour faire ça. J'espère que ce premier épisode, en tout cas, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vais tourner les deux autres à la suite de celui-ci. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Salut tout le monde!